Allez, c'est parti les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, c'est très simple aujourd'hui le concept. Est-ce qu'on peut faire des bonnes affaires dans les magasins hors période de solde? Donc on va voir ce que les magasins proposent en ce moment sur les bonnes affaires au niveau jeux vidéo. Allez, je vous propose de faire un petit tour chez Micromania, chez Carrefour et chez Auchan. Allez, n'hésitez pas, comme je vous mets ici. Abonnez-vous, likez, partagez et commentez. C'est avec plaisir. Allez, suivez-moi dans cette nouvelle aventure. Let's go! Here we go!
Allez, c'est parti les amis, de retour après cette petite balade. Allez, comme vous avez pu le voir, Auchan, Carrefour et Micromania, il y a des petites choses intéressantes, il y a des jeux en promo, il y a des jeux encore en solde. Donc n'hésitez pas à checker vos magasins, ça peut être toujours intéressant et vous pouvez toujours trouver peut-être votre bonheur. En passant, comme vous avez pu le voir, bah, Micromania en ce moment commence à liquider pas mal les jeux. Le PlayStation 3, donc les deux pour 5 euros à valoir sur des jeux qui étaient à 9 euros. Alors je vous avoue, moi j'ai rien trouvé parce que le stock était vraiment très minime, alors j'en ai fait qu'un seul. Il y a aussi, je crois, deux jeux ou trois jeux pour 15 euros sur la PlayStation 4. Pareil, c'est des titres qui sont pas forcément terribles et qui sont très souvent en solde ou en promo. Et vers Carrefour, bah, comme vous avez vu, en ce moment, il y a pas mal d'offres ou avec le remboursement directement sur la carte. Je crois, j'ai vu de mémoire, je crois que je regarde les images en même temps quand je fais le montage, mais il me semble qu'il y avait le petit Mario Golf, où il te remboursait à peu près bah, 25 euros la moitié. En gros, le jeu était à 49 euros et il te remboursait 20-25 euros sur la carte. Plutôt sympathique si on fait ses courses à Carrefour, ça peut être sympathique. Alors moi, de mon côté, bah, le premier jeu, c'est un jeu que j'ai trouvé à 9,95 à Carrefour, c'est le Darksiders Genesis. Voilà, un petit shoot vertical comme en mode un peu Hades, il me semble. Voilà, c'est un jeu que je voulais tester et je crois de mémoire, il était proposé sur le PlayStation Plus à un moment donné, ou pas, n'hésitez pas à me le confirmer dans les commentaires, ou peut-être que j'ai vu une vidéo sur un autre YouTuber où il en parlait, donc ça m'a titillé, je me suis dit à moins de 10 euros, ça se tente, ça se prend, ça s'essaye, et puis si je vois que bah, j'aime pas trop le style ou que le jeu n'est pas terrible, à ce moment-là peut-être que je le revendrai, mais au même prix, voilà, ou peut-être je le ferai gagner peut-être dans un concours, comme je vous l'ai dit, le but c'est d'arriver à 250 abonnés très prochainement pour vous organiser un petit concours. Et donc voilà, le premier jeu, comme je vous l'ai dit, Darksiders Genesis, à 9,95 € à Carrefour. Donc n'hésitez pas à y aller et à checker tout ça. Et le deuxième jeu, bah, le deuxième jeu, je l'ai trouvé à Auchan. Voilà, c'est un jeu qui était encore en solde. Je l'ai eu pour être précis à moins 70%. Et c'est le fameux, bah, comme vous avez pu le voir, Far Cry New Dawn, pour être précis, avec les petites sœurs jumelles. Donc le jeu, il m'est revenu à moins 70%. Je crois qu'il était proposé à 17,99 ou 19,99. Et donc à la fin, ça m'a fait le jeu à 4,99 ou 5,99. Donc pareil, un jeu plutôt pas mal à première vue. Et le prix est plutôt pas mal. Voilà. Donc pareil, c'est les petites deux jeux qui complètent la PlayStation 4. Voilà, je pense que la PlayStation 4, c'est la console avec le jeu que j'ai le plus de blisters. Je les accumule, pardon. Mais on va dire que j'aurai le temps de les faire à un moment donné. Et ça complète bien la collection. Et comme vous voyez, hop, nouveau décor. Donc pareil, dans cette nouvelle vidéo aussi. Voilà, vous connaissez la première. Je vous ai mis aussi la deuxième. Allez, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette petite vidéo. C'était DJ Gamer. Pareil, hop, je vous mets ici. Abonnez-vous, cliquez en bas ici, voilà, abonnez-vous aussi à la chaîne. Le but, c'est de monter le plus haut possible avec passion. J'espère que cette chaîne vous plaît. Voilà, depuis le commencement, le 4 janvier 2022. C'était DJ Gamer. À bientôt l'équipe. Bonne journée.